prépare pour le cours qui est dans une demi-heure. On a un cours d'une heure pour s'échauffer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la demi-finale, donc je pense que tout le monde est très stressé. Moi, j'essaye de rester calme, mais c'est un peu dur. J'essaye de me détendre en regardant les autres travailler. Elles ont l'air tellement heureuses d'être là, donc on va essayer de donner la même chose en scène. Là, on passe dans environ 4 heures, donc on a le temps d'avoir des pics de stress un peu, mais pour l'instant, ça va à peu près. Là, on vient de faire la variation classique. Je pensais pas être stressée, mais en entrant en scène, j'ai vu que je tremblais et tout, donc c'était assez dur. Donc le début, c'était un peu hésitant, et puis j'ai essayé de bien me rattraper pour la fin, pas me dire que tout était fini et tout. J'essayais de pas lâcher, donc j'espère qu'ils s'en seront rendus compte. Voilà. Maintenant, je vais me préparer pour la variation contemporaine en espérant que ça aille directement bien. Voilà. Attention pour la musique. Je viens de finir la variation contemporaine. Ça a été déjà beaucoup mieux qu'hier. J'ai essayé d'appliquer les corrections au maximum, mais je sais qu'il y en a une ou deux qui sont passées à la trappe. J'espère que on n'en tiendra pas trop rigueur. En tout cas, je me suis éclatée à faire cette variation, donc je pense que c'est le principal pour aujourd'hui. Je voulais juste remercier tous ceux qui m'ont soutenue, accompagnée, donc ma maman et son amie. Et tous ceux qui m'ont soutenue par mail, par texto et à mon professeur Carole Arbeau, sans qui j'aurais jamais pu faire ces variations comme ça. Voilà, merci beaucoup.
Candle O. Number. D'avoir les résultats, j'ai pas été sélectionnée pour la finale, donc je m'attendais un peu parce que j'ai pas très bien réussi ma variation classique. En tout cas, j'ai essayé d'en profiter un maximum quand c'était possible. Là, on a rendez-vous pour voir pour demain, on a le Networking Forum où j'espère j'aurai des chances de pouvoir rencontrer des jurys pour avoir des avis sur mon travail et sur là où j'aurais pu ce que j'aurais pu mieux gérer aujourd'hui et ce que je devrais mieux gérer à l'avenir.